mes supporters. Ils savent que c'est le départ là. Ils savent que c'est le départ de Gennaro. Le tifo, il est incroyable. On va encore se faire rouler dessus. Ouais, ouais, on dirait, ouais. Saint-Etienne, ouais, c'est bon. C'est la victime de ce soir, Saint-Etienne. Eh, hey, Gennaro, les gars. Le dernier match de Gennaro au Parc des Princes. Peut-être le dernier match. Écoutez cette ambiance. Vous connaissez cette ambiance, normalement. Ah, il est enfin revenu ce rageux là, Mbappé. Vamos. C'est cadeau. C'est cadeau, les refs. C'est cadeau, c'est pour le Parc des Princes. C'est pour le Parc des Princes, ya. Oh là 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 là, maintenant je suis tellement habitué à mettre des pilules. L'atout, en fait l'atout tire de loin, il fait tout. Tu mets atout tire de loin, précision de finition, tu mets 96 de précision. C'est trop facile. Merci pour les emojis pilules les refs. Il a tellement beaucoup donné au PSG, c'est incroyable. Et le PSG lui a tellement donné aussi. Dommage. Mbappé va être content, il va retrouver la pointe de l'attaque. Mais nous, faut qu'on avance, les gars. Faut qu'on découvre de nouveaux horizons. Ça y est. Alors, ballon d'or ou pas pour Gennaro? Ouais, ouais, on l'a eu, mon pote. Gennaro, légende du PSG. Et merci, les refs. C'est l'homme qui a ramené la LDC quand même deux fois, hein. Deux fois les gars, wesh. Il a fait ce que Neymar a pas réussi à faire. Oh, l'extérieur du pied! Oh là là! T'as fait comme un club, j'ai fait 5 clubs. Oh, oh mon dieu. Regardez, wesh. Regardez. Oh non. Eh, levez la main les gens qui habitent à Saint-Etienne. Est-ce que vous l'avez ressenti celle-là? Putain. C'était violente, hein. Bah moi c'est bien, monsieur. Il y a un mec qui a dit va à Marseille. Il a dit va à Marseille. Gennaro à Marseille, hein. Jamais de la vie. Les gens du PSG, Gennaro. PSG Barça. La Quaresma, de ouf, il a mis une Quaresma là. Mais je pense Angleterre en plus, ça va être un vrai test parce que ça va être compliqué. Même avec le PSG ou quoi, quand on affronte Chelsea ou Manchester, c'est grave compliqué de gagner. Donc là, maintenant, ça va être dans mon championnat. Un peu de...
plus de pression pour Gino, un peu plus de difficultés. On verra ce que ça va faire. Salut, t'as eu le ballon d'or? Oui, on l'a eu, mon gars. On l'a eu le ballon d'or. T'as signé où? Pour l'instant, nulle part. Hein. Nulle part, mais on est intéressé par Manchester United. Après, avec la compo de United, est-ce qu'on demanderait pas à jouer 10? Aussi, il y a ça aussi. Hein. Ça pourrait être grave lourd. Comme maintenant, c'est bon. J'ai déjà été ballon d'or. Je sais ce que ça fait de mettre 100 buts par saison. Est-ce qu'on reculera en 10? En vrai, non. En vrai, j'ai toujours ce rêve de faire les 1000 buts de Pelé là. Je vais rester en pointe. Junior, tu vas où pour finir? Pour finir, il ira à Santos. J'espère. Ça va être très compliqué en tout cas d'avoir une offre de Santos. Hein. Il y a une chance sur 1000, hein, je crois, on dirait. Ouais, maintenant, objectif 1000 buts. Objectif 1000 buts et gagner plus de compétitions que Dani Alves. Mais ça va être compliqué. Hein. Je sais qu'en quittant le PSG, le club où je vais aller, il va gagner moins de compétitions que le PSG. C'est sûr. Je sais que le PSG, on gagne tout. Chaque année, on gagne tout. Après, pour le record de Daniel Vest, ce qui est bien en Angleterre, c'est que t'as Coupe de la Ligue plus Coupe d'Angleterre, tu vois. T'as deux coupes. T'es bien. Plus la Super Coupe d'Angleterre au début de l'année. Après, avec la LDC et Super Coupe d'Europe, ça peut faire 5 compétitions par an. Fioup ! Record battu. Là, je suis à 600 buts presque. Hein. Je suis à 500 buts et quelques. À 26 ans. Sachant que je prends la retraite à 32 ans. Ça va. Au pire, tu baisses les compétences. Ouais, voilà, c'est ça. On a parlé de ça. Pour avoir une offre de Santos, il faudra baisser les compétences. Avoir un petit... 72 de général, je sais pas. Un truc du genre. Pourquoi 32 ans? Bah c'est comme ça dans le jeu, tu peux pas normalement, non? Après moi j'ai jamais fini de carrière hein, de ma vie. Ça va être la première que je vais finir là avec vous. Bon, on m'a dit que c'est 15 saisons et c'est à 32 ans que c'est fini. Putain, les connes, on a gagné le ballon d'or, wesh. Ah, dommage. En vrai, la compo du PSG, comment elle est parfaite. C'est peu 32 ans. Ouais, de ouf, c'est... Après, c'est FIFA, hein, c'est à eux qu'il faut leur dire. Wow. Doucement, mon ref. Thank you.
C'est peut-être le dernier match de Gennaro au PSG, les gars. Quelle ambiance au parc. Tente de retourner pour le dernier. Franchement, dommage que tu présentes pas le ballon d'or au début du match. Putain, c'est pour Mbappé ça, dommage. Penalty ? Ah, je pensais que c'était un coup franc. Penalty les refs, en Chirou. J'ai entendu penalty. Oh les gars, c'est mon dernier péno au PSG. Je vous ai mis un petit sondage là. On tire à gauche ou à droite ? Je vous laisse voter. Est-ce qu'on entend de la Panenka ? Est-ce qu'on essaie de sortir grand là ? Par la grande porte. Avec une bonne Panenka. Par contre, si c'est loupé, hein. Là, vous avez voté gauche. Pff, y aura pas de Panenka ici. Pilule ! T'es fou toi, quoi. Dernier penalty, tu crois vraiment que je vais la tenter ? Pilule dans la lucarne. Je veux rien savoir. Ah frère. J'ai loupé quoi ? Bah écoute, j'ai gagné le ballon d'or historique. Et merci pour les bons emojis pilules. Mbappé, il doit être content hein, que je le laisse. Tu compterais jusqu'à la fin du match. Vas-y, je vais sortir à la 80, comme toutes les légendes. Comme ça, tout le parc se lève, ils applaudissent. Franchement, la meilleure sortie de l'histoire du PSG, je pense, c'est Zlatan. Je sais pas si vous avez vu Zlatan. Incroyable. Il est là, dernière journée de championnat. Il bat le record de nombre de buts marqués. Il le bat genre, je sais pas. À la... Je sais pas à quelle minute il le bat. À la dernière minute, il le bat. Et il fait un match triplé. Son dernier match, hein, triplé. Et le remplant, il dit, vas-y, c'est bon, on sort, tout ça, nanana. Tout le parc se lève. Il ramène ses enfants sur le terrain. Incroyable cette sortie. Incroyable. J'oublierai jamais. Magnifique. Comme Beckham. Non, Beckham un peu moins. Un peu moins parce que Beckham, c'était pas une grande réussite, on va dire, au PSG, tu vois. Zlatan, lui, jusqu'au dernier match du PSG, il a montré que c'était un des meilleurs attaquants du monde, tu vois, t'as capté. Beckham, il était là, il était un peu remplaçant de luxe. C'était bizarre un peu. C'était un peu un stagiaire au PSG. Alors que Zlatan il part en battant des records à 38 buts, wesh. Pff, oh là 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 là. Vas-y, va voir les ultras, va voir les ultras. On va aller péter ça avec les ultras. Ah, t'as pas oublié. Imagine. Oh, si je me barre et que Mbappé vient là où je vais. J'avais le démon. C'était cool hein, de jouer avec lui. À la base, en plus, on voulait jouer avec lui. Il y a tous les gens du live qui m'ont dit: ouais, Gennaro, ça serait bien de jouer avec Mbappé et tout. Vas-y, frère. Ce voleur là. Non, on s'amuse là. Ces signes ne sont pas très bons. Deuxième poteau. Wesh, ils sont bizarres, pourquoi ils viennent pas? Tottenham, ça t'intéresse pas? J'avoue, je vais aller voir Tottenham. Je vais aller voir, t'as raison. C'est quoi la formation de Tottenham? Je mettrai un sondage. Qu'est-ce que vous pensez de Tottenham?
Y'a même plus d'expression maintenant. Incroyable. 80ème, c'est bon 80ème là? C'est bon les gars, c'est le moment de sortir. Ah putain, j'ai plus de changement. L'AD, j'ai loupé ma sortie les refs. Ma sortie légendaire. Attends, c'est peut-être un bug. Même pas, y'a plus de changement là. Ah ouais, les bâtards. Montre l'équipe actuelle de Tottenham. Vas-y, je vais aller voir. J'ai tiré pour essayer d'avoir une main. Ça a pas marché. Et c'est fini pour Gennaro, les refs. Ce règne au parc se termine maintenant. L'homme du Parc des Princes. Le vrai prince du PSG, il est là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Dommage. C'est Gennaro ou c'est Ronaldinho là? Incroyable. Est-ce que tu penses que le PSG peut gagner la LDC? Je sais pas frère, on verra. Hein. Incroyable! Et écoutez le parc. Le parc qui chante la musique de Gennaro, magnifique. Deuxième triplé. Toi, j'ai mis un triplé ou encore triplé? Ok. Bon. Trêve les refs. C'est beau. C'est le football. Je suis fier de toi, mon grand. Tu es désormais le meilleur joueur du monde. Le téléphone ne va faire que de sonner en janvier. Je sais pas si on est encore prêt pour ça. On en reparlera plus tard. Mino Raoyo. Quoi? Mino. Enfin, putain! Je l'avais dit, hein. J'avais dit soit Inter, soit City. Le premier qui fait une offre, j'y vais. Je revois vite fait. Déjà, eux, ils vont aller sur le banc, eux. C'est bon, j'arrive, je vais tous les mettre à la retraite, les BU. Fati, 52 en précision. Penalty, là, combien? Penalty, 83. Moi, j'ai 87, donc ça va. Non, en vrai, ce sera les Havertz et tout, là. Il est où, Havertz? Havertz et Foden. Coup franc 64. Penalty 71, c'est bon. Coup franc 61. Ouais, c'est bon, les gars, on signe. Easy, je tire tout, normalement. Normalement. Les gars, est-ce que vous validez? Je vais vous poser la dernière question du mercato. Est-ce que on signe ou pas? Après des heures et des heures d'attente, est-ce que on signe 4 ans à Manchester City? Jusqu'à mes 30 ans. Je vous mets le sondage. S'il y a en dessous de 80%, on signe pas. Je veux vraiment qu'on soit sûr. Si on est à 79%, on signe pas. Ils vont péter un câble si on est à 79. 79%, on signe pas. Je veux 80 minimum. On regarde pour l'instant. Ah, c'est bon. 85%. Ah, c'est ça, vous en avez marre d'attendre. Ok, c'est bon, les gars. Je pense qu'on est tous cordas, là. Il y a 15%, ils sont pas cordas, mais bon. On est tous cordas, les gars. Confirmé. Nous sommes désormais des joueurs de Manchester City.
Ça se fête, les gars. À la vôtre. À la vôtre, les refs. Regardez-moi ce flow là. Leandro Dinero, les gars. Avec le maillot de Manchester City. Eh oui, messieurs. Voici le nouveau club de Dinero. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Bon. Du coup, comment je remets ma tête? Ok, premier sondage. On vient de signer, les gars. On va refaire le flow. Déjà, le numéro de maillot, je vous en propose plusieurs. Vous allez choisir. Déjà, il a été numéro 10 dans tous les clubs. Mais bon. 10, 9, 80, 45. Pour rendre hommage à Balotelli. Là, je vous laisse voter. Et moi, je sais vraiment ce que je vais prendre comme numéro 1. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Je suis ballon d'or. Hein. Maintenant. Que ce soit Foden ou Averse le numéro 10, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Je suis ballon d'or, j'arrive, on me fait de la place. C'est bon, on est corda pour le 10 ? 73% pour le 10 pour l'instant, carré. Attendez, je vais enlever ma tête. Putain, ça fait bizarre, hein ? Un nouveau maillot, les gars. Wesh. Nouveau maillot. Ok. Teinture, pour l'instant, on va la garder. Crampon, on va garder ou pas? Oh, en vrai, on va rester comme ça pour l'instant. Dinero va faire connaissance avec la première ligue. 80, c'est ça, Santos. Vire ton argent, il nous a fait attendre une heure. J'avoue, il a déconné. Hein. J'irai lui toucher deux mots là. Mais en tout cas, ça fait du bien là. J'arrive, Guardiola, il me met. En plus, c'est Guardiola, regardez, on va à gauche. Il me met titulaire, je suis déjà titulaire. Déjà, on me respecte. C'est la première fois que j'arrive dans un club, je suis titulaire déjà. C'est où le changement de poste déjà? Putain, les gars, enfin. Attendez, je vais sauvegarder parce qu'on sait jamais. Off du Barça, ça on peut supprimer. Remets BU, ouais, vous inquiétez pas, je vais mettre BU90. Oh là là, cette photo est incroyable. Attendez, on tient la miniature. Leandro Dinero qui signe. Franchement, force au PSG. Hein. On a terminé face à Saint-Etienne, incroyable. C'est où progression? Ah, c'est là. Ok. Putain, ça fait mal aux yeux là les designs de Première Ligue. Putain, enfin. Enfin, les gars, enfin. Tu vas te taper que des grandes équipes en première ligue. Ouais, ça va être mieux déjà. Je vais mettre mon BU90. Qui s'en rappelle, les gars, pour le BU90? Ils ont grave le seum hein, que j'ai signé à City. Hein. Après, j'avoue, moi je voulais pas trop City. Hein. Mais en vrai, c'est bon. Je pense que je pourrais taper les trucs. Et je pense que ça joue un peu comme le PSG. Le jeu du PSG était tellement satisfaisant. Je voulais pas quitter ça. Attends, là je pense que je peux rester à 87 de penalty en vrai. Y a pas trop de concurrence. Ok. Ça fait quoi ça? Je crois pas que c'est ça le BU90. Merde. 89. Putain, j'aurais dû prendre en photo. Attendez, je regarde les photos que j'ai prises là. Qui s'en rappelle, les gars, du BU90? Il y avait un truc ici en dribble là. Ah, je crois que j'avais enlevé ça. Améliore les tirs. Ouais, je pense que c'est les tirs, hein, ça compte BU en fait.
T'enlèves dans les dribbles, tu mets dans les tirs. Placement off. On va jamais jouer, bordel! Mais vous inquiétez pas, les gars, on va beaucoup jouer ce soir. Hein. C'est pas la fin du live. Hein. On va geeker comme jamais. On va avancer. Là, je sais qu'on n'a pas joué depuis longtemps, là. Vous inquiétez pas. On est enfin notre club. Mais wesh. Les gars, je sais plus comment on fait. Ça va me vénère, ça. Au pire, nique sa mère, hein, on va jouer comme ça. Hein. Physique. Non, c'était pas en physique. J'avais tout enlevé en physique, justement. J'avais tout enlevé en physique et j'avais mis dans un truc. Personne n'a suivi, là. Si tu finis le live... Dessus, 50% vont se pendre. De ouf, imagine la fin du live là. Putain. Non, vous inquiétez pas, wesh. Vous avez, quoi, vous avez besoin de dormir là? Là, les gars, on va grave jouer ce soir. Hein. On a rendez-vous avec l'histoire là. Qui peut aller voir la rediff, s'il vous plaît? Et voir c'est quoi le problème? Qui peut mettre précédent? Quel génie peut faire ça? Putain, je sais plus j'avais fait quoi. Bon, je crois on va jouer. Hein. Mais ça me stresse là. Attends. Si je mets là et là et un peu dans endurance, eh ben non. Bon, nique sa mère. Hein. Nique sa mère, on va jouer. Dans dribble, j'avais tout, je crois. Tout dans dribble. Non, non. J'enlève placement offensif puisque je peux me placer tout seul, mais. Putain. Bon, vas-y, nique sa mère. Nique sa mère, on va jouer comme as. Casse les couilles. Full drip t'avais mis. J'avais mis full drip, on est d'accord. Pourquoi City? On l'avait dit. Si tu vas d'arriver, on a galéré à trouver un club. Ça fait une heure on cherche. Et j'ai dit, j'attends une offre de l'Inter, Manchester United ou City. Je prends le premier qui vient et après on a eu City au bout de une heure. Donc voilà. Après City joue comme le PSG 4-3-3. On voulait découvrir autre chose. On a tout gagné avec le PSG. On a gagné même la Coupe du Monde. On est en joueur du PSG. On a gagné le Ballon d'Or. On est en joueur du PSG. Ça y est. Il nous fallait un peu de nouveauté. Par contre, là, il a 88. Hein. Non, c'est mort. Je veux pas jouer comme ça, là. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Comment j'ai fait? Wesh, au Sandberg, quoi. Imagine match de LDC face au PSG, de ouf. Attends, c'est quoi, j'avais mis full... Putain, pourquoi j'ai pas pris de photo? Je suis trop bête. En vrai, nique sa mère, on va jouer. Hein. Mais j'ai le seum, là. Enfin, je vais jouer en pensant que j'ai réussi à avoir un BU à 90, là. Enlève le violet. C'est quoi le violet? Ah non, 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 le violet, t'es obligé. C'est l'archétype. T'es obligé. Sans le violet, t'es foutu. Eh, vas-y, nique sa mère. La vitesse. Non, j'ai tout en vitesse. Y'a un mec qui t'a envoyé sur Insta. Vas-y, tu sais quoi, je vais y aller. Je vais y aller fort. Alors, Instagram. Ah, ok, il a screené. Ah, mais là, ok. J'ai capté.
Bien vu mon pote, il s'appelle comment? Valfoxy 978, t'es un bon chacal. T'es un bon mec. Alors, j'avais 92 en vitesse, ça c'est fait. 92 en vitesse, 96 en tir, 50 en passe, 89 en dribble. Mais comment j'ai fait ça? Et le reste, 30. J'avais 35 en défense et 67 en physique, mais c'est impossible. Comment j'ai réussi à faire ça? 89 en dribble et 96 en tir. Genre là, j'ai augmenté des trucs là. Sans baisser des trucs. C'est impossible. C'est-à-dire que j'ai... Ah ouais, ok. Bah putain, je suis foutu. Ok, putain, tu es à City. Ouais, je suis à City. Mais c'est-à-dire que c'est ici que ça se joue là. J'ai enlevé des trucs de dribble pour les remettre dans les dribbles. Qu'est-ce qui est inutile en dribble là? C'est peut-être ça. C'est peut-être le truc d'en bas là. Je mets ça là, ça là. Comme ça. Je mets ça en tir. Et juste ça. Putain. C'est bien City à Mahrez. Ouais, il y a Mahrez, ouais, si si, Océane. D'accord, Océane. Si si, il y a Mahrez. Je vais jouer avec Mahrez là. Footix. Des trucs physiques. Non, vas-y, on va jouer les gars, on va jouer, ça fait 30 ans qu'on n'a pas joué les gars. On lève l'archétype Lynx. Sérieux? Dans quoi? Là, c'est Maestro. Ok, c'est ça? Et après, on met ça, ça à fond, ça à fond. Ici à fond. 90! Merci les refs! Merci les refs! Putain! Enfin! Là, on est à City! Là, on est à City! On va sauvegarder tout de suite et c'est parti. Ah, les gars, je vous aime. Vous êtes des bons. Vous êtes des bons! Merci les refs. Premier match de Gennaro les gars contre Newcastle. La présentation c'était au début du match. On imagine s'il vous plaît. Fermez les yeux, je vous explique un truc. Il arrive en Angleterre, tout ça, paparazzi, tout ça, à l'aéroport, c'est passé comme Messi. Les gens l'attendent à l'aéroport, photo, tout ça, nanana. Il a retrouvé son centre de formation. Il s'est entraîné avec les gens, Lautaro, Ansu Fati, qu'il a déjà connu au Bayern. Là, il arrive, une semaine après, il a loupé un match, parce que tu vois, tu connais, il faut qu'il reprenne un peu de physique. Et du coup, le voilà, présenté aujourd'hui. Ah non, il n'est pas présenté, je suis en ouf, on est pas chez nous. Mais bref, là, on joue directement. C'est parti, on sera présenté au match d'après. C'est du RP, les refs. Alors qu'on va procéder à... Regardez, même Newcastle, il se lève pour applaudir la légende. Incroyable! Leandro Gennaro en Angleterre! Oh là 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 là! Tu joues milieu centre MDR. Comment ça? Tu joues MC, jure? Attendez, vous me faites peur là. C'est pas grave. Attends, c'est pas réaliste les chants des supporters parce qu'on est à l'extérieur là. C'est eux que je vois mon poste. Et que sa mère, je vous crois. Non, mais c'est parce que t'inquiète, je suis remplaçant, je suis pas encore titulaire. Les gars, je suis en Angleterre, ça y est, c'est fini. Nouvelle carrière. Le premier ballon de Gennaro. Faut que je marque dès le début. Rien à foutre, milieu ou pas. Faut marquer les esprits. T'as trop le seum. Non, c'est rien ça, c'est rien. Ballon capté par
le gardien. C'est juste que j'ai pas les stats d'un milieu, quoi. Je suis pas bon en passe. Mario Hermoso avec Rodri. Il a un petit peu d'espace, il peut s'entrer. Et Dinero! Leandro Dinero! Il est en Angleterre, l'erreur! Il arrive en Angleterre! Oh, c'est bon, c'est possible, c'est possible! Les gars, Fati capitaine! Sachant que j'ai joué avec Fati au Bayern, je pense que c'est possible. C'est possible de le prendre. Le bon petit brassard. Incroyable! Leandro Dinero, les gars! Voici son premier but en Angleterre. Un max de pilules en commentaire, s'il vous plaît. Il ne reste que quelques minutes. Merci, l'équipe. Guerre de suspense. Ah, je vous ai dit, un milieu ou pas, je m'en bats les couilles, je plante. Oh là 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 là, tout le monde va s'en rappeler. Ils veulent du Dinero, on va leur en donner du Dinero. Qu'il était là. Allez, c'est parti. Tu m'as vu. Ah, dommage. Bon jaillissement sur cette passe. Prochain live, les gars, moi je vais chercher. Je vais chercher tout ce qui est ultra là. Ça va être incroyable, les champs. Un long ballon loin devant. Allez. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Ouais, il y a des options dans la surface. Lautaro Martinez. Voilà. Et merci les gars pour les bonnes piles en commentaire. Je suis choqué, Fati capitaine. Alors qu'il a rejoint il y a 2 ans. En vrai, c'est possible. Mais après, lui, vas-y. Il a 92 de jeune, je crois. Bonne lecture de Rodri qui intercepte. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. Avec un tir. Oh, dommage. Pas loin du deuxième. Ouais, bien vu le centre en retrait. Et oui, hors jeu. Hors jeu, bien sûr. Il a dit mon club. Ben écoute, City, les gars, on est là pour 4 ans. Ça va très très bien se passer. Ça commence très très bien. Ça commence très très bien, les gars. Le nouveau numéro 10. T'es en concurrence avec Martinez. Je sais pas. Ça dépend. En fait, je verrai quand je serai titulaire. À la base de qui il va me mettre. J'espère qu'ils vont pas me faire comme Mbappé. Hein. Problème avec Mbappé, c'est que une fois que j'étais titulaire, même en étant BU, il m'a mis AG, tu vois, pendant une saison. Là, une fois que je serai titulaire, j'espère qu'il me fera pas la même chose, Guardiola. Hein. Ça serait vraiment très bête. Mets-toi en attaque. Je suis en attaque, mon pote. Maintenant, ça va être au coach. Et là, c'est encore un match à l'extérieur, les refs. Toujours pas présenté à mon nouveau public. Stylé Dinero avec le maillot. Ouais, il a un petit flow. La teinture, je la vois un petit peu plus blonde. À cause du maillot, là. Et la réponse est non, les gens qui vont me dire « Ouais, vas-y, change de coupe !» Non. Je vous connais, vous. Ouais, comme ça. Imagine comme ça. Non. Allez, let's go. Combien de buts en carrière? Bonne question. Attends, je vais aller voir ça tout de suite. J'espère que je vais péter les 1000 buts. Hein. Je suis à... Ah, bientôt 600. Bientôt 600 buts. En 449. Ça va, hein?
Allez, c'est parti, FA Cup, Leeds United. Belinda est à temps au lit, il a dit. Ah ouais. Et là, il me sort. Ah voilà, on me respecte là. Je rentre à la place d'un attaquant là. Là, on me respecte. Il est déjà sifflé, les gars. Ils savent très bien que je suis le meilleur. Le mec, il a dit nul, Giniro. D'accord, mon ref. Le mec que tu dis, il est nul. Il est ballon d'or, chacal. Incroyable, les gars. J'ai trouvé un club qui joue comme le PSG. Même formation. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. C'est carré. Ouais, la bonne interception. Et je sais pas encore si je tire les coups francs, mais j'espère, hein. Imaginez, je tire pas les pénaltys. On pourra pas faire nos sondages là, gauche, droite, centre. Non, mais je pense que je les tire déjà. Pénalty, c'est la base. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, je me cours, mon frère. Gonzalves. Oh là là, hors jeu, le drapeau qui s'est levé. Ça va très bien se passer. Ouais, franchement. Ça a dû se jouer, y a pas grand chose. City là, je pense que ça va être bien là. Le remplaçant qui Foden et Averse 92. Si on me laisse taper les coups francs, pourquoi pas. La passe est Jérémy Doku en plus, il est à droite là. Qui s'enchaîne. Non, franchement, incroyable. Centre peut-être. Vas-y. Ah, sa mère. Il y avait beaucoup de présence physique dans la surface. Mauvais choix de carrière. Non, je pense pas. On a regardé, hein, on a regardé toutes les formations. On fait pas les choses n'importe comment. On a étudié les équipes avant de signer. Moi, je pense que c'est un bon choix de carrière, moi. J'attends de voir pour les coups francs et les pénalties. J'espère juste que je marque ici, parce que j'ai pas envie d'être remplaçant encore une fois là. C'est mal joué, c'est mal joué ça. Averte ça. Je joue là-bas, voilà, excellent. Je prends de la vitesse. Tu m'as vu. Dinero! Leandro Dinero! Il est sifflé, les gars, il est sifflé à l'extérieur, c'est normal. 1h30 à choisir, de ouf! Madame, 1h30 à choisir, dites pas c'est un mauvais choix, s'il vous plaît. Comment tu sais combien de temps ton contrat dure? Non, c'est moi qui choisis. Enfin, c'est moi qui... Voilà, je me dis dans ma tête que je vais rester 4 ans ici. J'ai pas envie chaque année de changer de club, tu vois. C'est pas réaliste. Mbappé pleure, il a dit. Non, je pense que Mbappé, il est content. Il va retrouver son poste de BU. Hein. J'ai braqué son poste. Normalement, prochain match, à domicile, face à mon nouveau public, titulaire. De passe à 10 en ce moment. On s'approche du but adverse. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Allez, allez, je dois avoir combien de notes là? 7,6. Ok. Belinda, elle est où maintenant? Elle habite au Brésil, elle a pas encore déménagé, hein. Enfin, elle a jamais dit qu'elle habitait au Brésil, mais j'imagine qu'elle habite en Amérique latine, quoi. C'est une relation à distance, tu connais. Elle, c'est une coiffeuse de star. Moi, je suis footballeur en Europe. On se voit que quand je suis appelé en équipe nationale. En Sarre, pas mauvais choix. Non, bon choix. Deux matchs, deux buts. Il est déjà heureux.
Un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement. Hey, y'en a, vous posez des questions, ça me tabasse. Ils sont à fond dans le RP là. Il a dit est-ce que Belinda elle est venue avec toi. Putain, ça veut dire en fait je fais tellement bien le RP que tu te poses des questions comme ça, frère. Je suis vraiment un génie. Tu te rends compte que on joue à FIFA, devient pro là. Je suis un génie. Je vous ai tellement mis de fiction, les gars. Je suis pas hors jeu. Dommage. Je suis là. Je suis là. Position de Gennaro. Dommage. Il a mis trop de temps, l'autre là. De coup. Cette frappe de loin qui était pas loin de faire mouche. Incroyable, Gennaro. Par contre, Junior, un papa de toi. Stop. On parle de Gennaro. T'as vu ça? Réponds à mes messages, s'il te plaît. Vas-y, c'est quoi ton message? Il fait quoi, la caca? Où tu vois la caca, toi? Je crois qu'il a terminé sa retraite. Hein. Il n'y a plus de RP. J'imagine bien que j'ai pas pu deviner la suite, quoi. Demain, retour du RP, vous inquiétez pas. Le serveur, là, en fait, les gens qui bossent sur le serveur, ils sont pas là, ils dorment, là. Il est 23h, là. C'est déjà saoulé un peu d'attendre. Bien joué, ça. Ah, trop long. Putain, Avertz, je comptais sur ta qualité de passe, moi. C'est pour ça que j'ai signé. Ce corner au niveau du... Yeah, Golasol! T'as signé pour... Ouais, c'est bon, j'ai signé. Hein. J'ai signé. C'est quoi RP? C'est roleplay. C'est en gros quand je fais genre... tu vois, il y a une histoire, tout ça. Je sais pas comment t'expliquer. Ça fait maintenant 3 buts à 1. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont eu attendu qu'on signe enfin dans un club. C'était pas facile d'attendre. Merci à tous. Là, maintenant, on va jouer, là. On va prolonger le live, je pense, jusqu'à... On va prolonger le live jusqu'à 1h du matin, je pense. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Pour ceux qui iront dormir, c'est pas grave. Il y aura une rediff. Oh! Je suis là tout seul. Merci mon ref. Non. Bien joué dans les buts. Le face à face remporté, c'était vraiment dangereux. Non, en plus j'ai bien tiré. Non, je pensais que c'était de ma faute, mais en fait non. J'ai archi bien tiré. Cherche le point de pénalty. Putain, dommage. Vas-y, vas-y. La spéciale. La spéciale. La spéciale. Leandro Gennaro. Leandro Gennaro, les gars! 3 buts en 2 matchs avec Manchester City! La spéciale Gennaro! Eh oui, monsieur! Eh oui, monsieur! Oh là 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 là, c'est magnifique! C'est magnifique! C'est magnifique! Max de pilier en commentaire, s'il vous plaît! Merci les refs! Merci Emmanuel! Merci DG, merci Smox, merci à tous. Tous les guerriers en commentaire là. Incroyable. Ils vont pas regretter de m'avoir acheté. Hein. Ils vont pas regretter de m'avoir acheté. Merci Gennaro. Pour cette bonne victoire. Futur capitaine, future légende de Manchester City. Va falloir revoir les émotes. Ah, du coup, frérot, t'inquiète, hein. Ça va aller vite, ça. Allez, faut s'appliquer sur cette possession. Demain, les gars, le RP va être incroyable en Angleterre, vous allez voir. Déjà, homme du match. Oh là 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 là, incroyable. C'est bon, titulaire. Titulaire, monsieur le coach, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il attend de moi? Je suis même pas titulaire. Ah si, c'est bon. Titulaire, les refs. Quoi? Encore remplaçant? Il reste un tout petit truc là. Oh les bâtards. Ok. Je vais rater la présentation, j'ai le seum. T'as un pré-match à domicile, comment ça je suis remplaçant? Putain, il a tout niqué, il a niqué l'histoire là. Putain, je voulais commencer moi. C'est pas grave. On imagine une ovation pour Gennaro. Là, je vais jouer... Putain, je vais jouer MC en plus. On imagine qu'il y a une ovation pour Gennaro. Let's go. Eh oui, il chante la musique de Gennaro. Incroyable. Il joue enfin devant son public, les refs. On applaudit. On applaudit, s'il vous plaît. Désolé Junior, je vais dormir. Vas-y, t'inquiète hein. Il y aura une petite redite pour ceux qui sont partis dormir. Par contre, il y a un nuage qui est passé là. C'est bizarre le terrain, comment il est. C'est comme ça, c'est chi. C'est chi, le stade, il est couvert. Oh, comment c'est sombre. Allez, faut centrer vite. Attention, le tir. Je sais toujours pas si je tire le coup franc. Putain. Ah non, pas là, non, le ballon est perdu. Je reste jusqu'à la fin du live. Bien vu mon gars. Je ne suis pas content. Pourquoi Jennifer t'es pas content? Tu voulais l'Inter toi? Non, en vrai, City, bon choix, en vrai. Tu vois, c'est l'Angleterre, on va affronter des bons clubs. On voit en touche, c'est incroyable, cette carrière continue, je suis à fond dans l'histoire de Gennaro. Merci, mon ref. Merci, mon gars, ça fait plaisir. Dans le camp de l'adversaire. Oh là là, de justesse, il a repris le ballon. Il faut donner. Attention, elle pourrait être dangereuse. Ah, dommage. Non, finalement, c'est un ballon perdu. Collier. Gennaro prend quand sa retraite? Je pense 32, à 32 ans, non? Là, faut que je fasse un bon match. Je suis concentré un peu. Je vais pas vous mentir. Attends. 6,6. Déjà, 6,6, c'est carré. Et ouais, c'est bon. 6,6, et je suis titulaire. Fallait signer à Galatasaray. Et regardez qui dit ça. Il s'appelle Le Couture. Il est grave pas objectif, ce fou. Je reste jusqu'à la fin, même si demain j'ai école. Aïe aïe aïe. Des guerriers, merci les refs. Le ballon qui file en touche. Par contre, à domicile, ça va souvent être sombre comme ça. Il n'y aura pas de soleil à domicile à tous les matchs. Fallait me le dire. Bon, il va falloir s'y mettre. Hein. Si l'équipe veut égaliser, parce que le coup de sifflet final approche et elle est toujours menée à 0. C'est un petit peu brouillon, mais il revient pour récupérer. Lautaro Martinez. Frappe. Une balle d'égalisation. Pouh, j'avoue, j'ai fait le crevard là. J'ai fait le crevard. Leandro Gennaro devant son public. Enfin. Enfin, les gars. Gennaro devant son public.
Là il aurait pu tirer, je me suis dit non. Je veux marquer. Je veux marquer. Reviens ici. J'ai l'impression que les cinématiques de Première Ligue sont différentes. Oh, le retrait de bâtard. Merci Théo, merci Axel, merci les gens qui mettent des pilules en commentaire. Tu penses le live jusqu'à quelle heure? Non, vas-y, en fait, alors je vous ai dit 1h du matin, mais en vrai... En vrai, 2h du matin, non, je rigole. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Feeling. Pourquoi vous êtes vraiment KO? Vous êtes KO mais vous, avez pas, vous voulez pas louper. Oh la 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 la. La Pulga. Leandro Di Nero les refs. Leandro Di Nero les refs. Oh la 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 la. Bah magnifique. Il a déjà un best-of à City. Bah oh mon dieu. Bon, en vrai je peux rester milieu de terrain en vrai hein. Je peux gérer le mitard comme un bâtard. Il a dit on n'est pas fatigué. Ok, vas-y, non, en vrai, jusqu'à minute 30, faut pas que... En fait, là, vraiment, je fais une carrière pour vous, tu vois, j'ai pas envie que certaines personnes n'arrivent pas à suivre, ou j'aille trop vite pour certaines personnes, tu vois. Donc, minute 30, on va rattraper l'heure où on n'a pas joué, là. Hors jeu. Je vais dodo, vas-y bonnie mon pote. Putain, Dinero mis le terrain, ça change rien du tout hein. Il a déjà le public à la, dans la poche là. Il a fait une remontada à lui tout seul. Il va encore être homme du match. Et prochain match titulaire. Non, ouf. Allez les gars. Voilà. Et c'est terminé. La victoire. Ciao. Vas-y Naïd. Bonne nuit mon pote. Je dois arrêter, j'ai 3%. Vas-y mon pote. Pour ceux qui viennent d'arriver, petit récap. Vous avez raté la cérémonie du Ballon d'Or. J'ai gagné le Ballon d'Or. C'est la première fois de ma vie que je le gagne. J'ai tout gagné, Coupe du Monde, LDC. On a quitté le PSG en janvier parce que voilà, on a fait ce qu'on avait à faire au PSG. Deux Ligues des Champions, deux Ligue 1, meilleur buteur à chaque fois. Il fallait de la nouveauté. Et du coup, on vient d'arriver à United. Oula, à United. À City. Et voilà, on s'impose tout doucement. Bonne nuit, je dois dormir. Vas-y, mon pote. Bien joué, merci. Merci à tous. Vous êtes des bons. Merci à tous de suivre cette carrière incroyable. Et là, oh, on est en Ligue des Champions. 5 buts en 3 matchs. Et là, je suis titulaire en Ligue des Champions, les gars. Je sais toujours pas si je tire les pénaux. Buts, c'est bon, c'est fait, les gars. Il m'en reste 400. Ouais, en vrai, j'ai un rôle important. Attendez, qui a le même rôle que moi, ici? Ok. En fait, voilà, je pense que... Dès que t'as le rôle crucial, tu vois, eux, il y a marqué crucial.
Je pense qu'il faut rentrer dans ça là pour être capitaine. Faut vite rentrer dans ça là. Ouais, c'est qu'est-ce en fait le capitaine? Et je suis quatrième meilleur joueur du club avec 90. Ça va en vrai, hein, ça va, ça va. Il y a moyen dans quelques années. Je suis le numéro 1 de City là. Et enfin, voilà! Martinez dehors! En vrai, quand tu regardes le 11 là, on est meilleur que. On est meilleur que le PSG, non? On est meilleur que le PSG, les gars! Quand tu regardes le 11, il y avait 95 de Mbappé à gauche, mais au mitard, c'était pas comme ça, hein. Incroyable! Je dirais bien quoi? Moi, ça va et toi? C'est clair que le Je PSG suis va mort, mais je tenter reste bien vu, mon encore d'aller pote. plus loin dans la Va voir compétition. tes messages. Non, il n'y a pas de Quelle message. d'entre elles va rester à quai Il n'y a aujourd'hui pas de dans cette message. rencontre Le serveur, là, entre il bosse équipes? pas ce soir. Rendez-vous dans un instant pour ce match Il y a la fille de Lens Guardiola qui voudra face te à pécho. Manchester City. Je n'ai aucune idée. Et c'est parti, allez. Salut à tous, c'est sous la pluie que l'on se retrouve aujourd'hui La défense est pour cette bof. heure. C'est Après. à moi, on a confié la difficile tâche de commenter ce match. Let's go les gars, premier match de LDC, première fois titulaire. T'as City, ouais mon pote. Pourquoi Bellec, la fille de Guardiola, elle est fraîche? Non, lui, il a déjà Belinda, wesh. T'es passé de mon équipe préférée à mon équipe que j'aime pas. Ah. Bah écoute. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. C'est un 4-3-3 assez classique qui a été Allez, c'est retenu. parti. Si je gagne la Champions League, là, ça fera ma troisième Champions League de suite. Et je pourrais miser Ballon d'Or l'année prochaine, direct. Conserver le Ballon d'Or, là. Ça part dans le paquet. Mais, t'as retourné, wesh! Mais pas de soucis hein, dans les buts. Putain, Avec beaucoup de dommage. conviction. T'as gagné ta place, ouais, direct. En même temps, 5 buts en 3 matchs. Ça passe pas inaperçu. Il a dit, elle tue sa mère. Va-t-il parvenir à centrer? Attention à la fille de Guardiola. Centre, premier poteau. C'est un petit peu Après, on est en compliqué. 2030, hein. Je sais pas à quel âge en Le ballon 2030 la meuf là, mais en tout cas, lui, il est posé avec Belinda. Oh là là, la vitesse du Gennaro. Il a bien lu le jeu. Dommage. Pourras-tu quitter City pour United? Non, non, jamais. C'est pas un footix. Il peut pas faire City à United comme ça là. Avec Chong. Non, c'est bon là, il est à City pour un bon moment et après quand il partira d'ici, une fois qu'il aura voilà, tout gagné ici, Le FC Valence ce sera a pour aller perdu. dans son pays, hein. Ouais, belle séquence de possession. J'espère qu'il va réussir à aller à Santos. Valence Ça va être le recule. truc le plus compliqué, je pense qu'on passera 5 heures Ouais, très très à belle avoir une séquence offre de pour possession. Santos. Ansu Fati. Kai Havertz. En Mais trop profondeur, tard. bien vu. Et le ballon qui Putain. termine sa course sur la transversale. Mais de toute façon, un hors-jeu avait Je vais me été coucher. Vas-y, mon gars. Pour ceux qui auront loupé mon passage à la City, de toute façon, je sais très bien qu'il y en a qui sont partis dormir. Je vais Allez, remettre l'occasion un petit maintenant. passage à 18h. Oh, le gardien se Comme j'ai fait rattrape pour du aujourd'hui. doigt. Oui, hors-jeu, il y a hors-jeu. Faut être plus attentif à la ligne. Vas-y. Magnifique ça. Ouf, dommage. Regardez qui repousse, attention.
Ah, pas encore des pénalties. T'es plus au PSG? Si, si, je suis au PSG, regarde. Non, je rigole, je suis plus au PSG, mon pote. Je suis parti en tant que légende, ça va. Je suis pas parti. C'est la première fois que je pars d'un club où, tu vois, on boude pas. Genre, on part en mode légende, quoi. Même le Barça, en vrai, hein. Barça, on est parti en bon terme. Même si on est parti parce que ça allait pas. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Ouais, le tacle. Là, on est parti du PSG en bon terme, ça va. On a passé les 90K, sérieux? Ça s'est pas encore actualisé en bas là, en bas à droite. Mais merci en tout cas les refs, j'ai vu ça tout à l'heure aussi. Merci les refs, ça fait plaisir. Je vais me coucher. Vas-y, bonne nuit mon pote. Aïe aïe aïe, ça commence mal. Ça commence mal. Est-ce qu'en 2030, Mendy il est en prison? Aucune idée, mon pote. 90 400 carrément déjà? Non, je suis mort. Merci, ça. Du soutien, les gars. Y'a pas main là depuis tout à l'heure là, les wesh. Il veut pas que je tape un coup franc. Bonne nuit à tous ceux qui partent, ouais, de ouf. Tu stresses? Non, pas du tout, hein. Sans stress. On a City quand même. On joue contre Valence, on va les sortir. Enfin, j'espère quoi. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pas personne finalement. Aïe aïe aïe, il a pointé son contrôle. Défensif, il fallait le faire, il y avait danger. Wow, monsieur l'arbitre. Vas-y, Doku. Il faut qu'il centre là. On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Kai Havertz. Le centre. Tire. Il a fait de ses partenaires. Je suis tout seul. Merci. Avec ce long dégagement. Leandro Dinero. Les gars, un max de drapeau brésilien en commentaire. On se réveille les refs, on dort pas maintenant. On ne dort pas maintenant les gars. Les débuts généraux les refs. Trop chaud. Trop chaud, t'es marre. Ta pa. Oh là 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 là. C'est les 8e allez, ouais. C'est les 8e allez mon pote. Pilule, merci pour les pilules. Chico Gaming. Ghetto Boy, merci tout le monde. Jalo, Yohan, Picard. Merci la team, merci à tous. Et c'est peut-être pas fini. Jinero avec Doku. Doku qui remet Jinero. Dommage. Ah, Jinero va s'amuser ici. Hein. Oh, le premier classico contre United, il va être spécial. Pouf, frappe puissante. L1 rond retourné. Ouais, ah, c'est L1 rond. Ah, bah si, c'est ce que je fais en plus. Je vais très bien. Vas-y, bonne nuit, mon pote. Merci pour tous les drapeaux brésiliens. Merci pour toutes les pilules. Laetitia, elle a dit, je suis fatigué, mais je reste sur ton live. Merci, ma pote. T'es une craque. Sachez que tous ceux qui restent dans leur dans ce live-là... Ah merde, tous ceux qui restent dans ça, vous allez réussir votre année. Si vous partez, vous allez tous redoubler. C'est bon ou pas? Non, je rigole. J'imagine là, il dit ça. Allez, un partout, on va en rester là à la un partout mi-temps. Mais il reste 45 minutes pour faire. Ginero, c'est bon, il est déjà bien à City, hein. Il a pris ses marques là. L1 rond. Ouais, mais après, moi je suis en alternatif. Donc c'est L2. Enfin, L2 rond, mais. Moi je suis en alternatif, donc c'est. C'est L2 carré. Ça sera un corner pour City.
Je vais dormir. Bye, vas-y, Mati, c'est un Mati. Merci à tous ceux qui sont passés sur ce live, vous êtes des bons. On est de retour en direct de Manchester. Je suis live demain, bien sûr. Demain, on a rendez-vous avec l'histoire. Demain, on va live jusqu'à la finale, jusqu'à l'été, on va live. Hein. Ah, ça va aller vite, hein. Là, en deux jours, on va passer de décembre à juillet. Bonne lecture du jeu, du défenseur, bonne interception. Tout va s'accélérer, là. Bon jaillissement sur cette passe. J'espère qu'on gagne la LDC direct et le championnat. Ballon qui est donné en profondeur. Ouais, magnifique, la sortie impeccable, très propre. On se méfie hein, ce genre de ballon, la moindre petite erreur peut donner lieu à une sanction. Tac. Merci. Permettra de suivre, oh là là, la passe est incroyable. City encore, penalty. C'est moi qui tire ou pas? Ouais, c'est moi qui tire. Ouais, c'est moi qui tire les coups francs, les refs. Oh là là, c'est bon. Giniro de retour. Giniro de retour. Le premier coup franc avec City. Préparez vos emojis pilules, les refs. S'il la met, on fait ça. Déjà, c'est mon retour en coup franc. Je suis grave content. Coup franc court, hein. En même temps que l'arbitre soit prêt. Allez, Giniro. Pète-moi cette cage, là. Allez, Giniro. Allez, Giniro. Allez. Allez. Oh! Bien anticipé dans les buts. Oh! Wesh! Wesh! Attendez, je me suis trompé de bouton, là. Wesh! Putain, j'ai le seum! Déjà, le coup franc, vous avez vu comment il était incroyable? Non, mais rentrez, hein! Je sais pas ce qui s'est passé là. Non! Oh le bâtard! Non, c'est pas possible! Jury là! Wesh! Comment il a arrêté ça? C'est que c'est impossible d'arrêter ça! Eh les gars, Giniro, c'est devenu Juninho, frère! La vue, elle allait rentrer! Oh le bâtard! Après, regardez cette frappe, hein, regardez cette frappe! Oh le bâtard, il a touché là aussi! Double arrêt! Oh là là, ce bâtard! Oh le goal! Oh le goal, il est chaud, hein! Oh le goal, il est chaud de ouf! Il faut là, il fallait intervenir urgemment! Putain, mon premier coup franc, dommage! Kehavertz. On cherche la faille dans la défense adverse. Wesh, la VAR elle est ouf. Non, mais elle est pas rentrée. Hein. Putain, j'étais pas prêt. Je lisais les commentaires. T'as pas de chance. Ouais, de ouf. Non, mais l'arrêt, franchement, pff, BG. Hein. Quand on vous dit que les goals de FIFA ils sont cheatés, alors là, qu'est-ce que je te dise? Deux grosses frappes, il les arrête. La manchette du gardien, incroyable. Ouais, franchement, incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Putain, je fais n'importe quoi. Merde. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Prochain coup franc, les gars, on la met. J'espère qu'elle sera plus dans l'axe. À la CR7, de ouf. Je me prends trop des vents. Comment ça, je t'ai mis des vents? Qu'est-ce qu'il y a? Mais après, en même temps, vous êtes beaucoup à écrire, hein. Joli le coup franc, c'était bien tenté. Moi, je suis devenu chaud au coup franc, hein. Je me suis entraîné. Hein. Je pense que vous avez pu remarquer avec le PSG. Bon, on commence à enchaîner les coups francs là. Très beau ton deuxième tir, merci Théo. Coup franc, c'est ma spécialité, c'est pour ça que j'étais frustré de voir Mbappé tous les taper là. Sur ce ballon. Même si on n'est pas beaucoup à la fin, les gars. Non, on est quand même beaucoup, 900 là. On fera quand même un test de footix, hein. J'espère que vous savez, hein. Vous n'allez pas y échapper. Il donne un ballon piqué.
Oh là 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 là! Leandro Dinero! Leandro Dinero, on a dit! La fiesta continue jusqu'en Angleterre! Incroyable! Mais des manches longues et des gants. Non, c'est plus la période là. On est en quoi? Février, mars. On est bientôt en mars, mon pote. À part si vous voulez des manches longues et des gants. Vous voulez des manches longues et des gants ou pas? Je vous ai mis un sondage. Mais bon, on est plus trop en hiver. Tu m'aurais dit novembre, je t'aurais dit ok. Là, on va rentrer en mars. Allez. Quel match, les gars. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Quel match de Gennaro face à Valence. C'est bon, son souvenir. Premier match en tant que titulaire. Là, Lautaro Martinez doit avoir le seum. Hein. Valence en ce moment. Attention, il n'a pas capté Ederson. Vous avez voté oui? Ok. Après le match, les gars, manche longue, gants. Il avait pris un jaune hein, tout à l'heure. Gant bleu ciel ou pas? Ou gant noir? Il fallait le récupérer hein, ce ballon. Tu m'as vu? Allez Fati. Bah, Fati, t'abuses. Le gardien sans scrupule, loin devant. Il faut trouver l'ouverture. Oh là là! Oh là là! Il s'amuse, Dinero! Dommage! Dommage! Noir, noir, bleu. Vas-y, on va faire noir alors. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Il cherche le point de pénalty. Mauvais dégagement, mal fait. Ah, elle a volé en première attention. Dommage. Et ce sera finalement un nouveau corner. Sinon, ça fait trop bleu. J'avoue, c'est vrai. Faut doser. Vous avez raison. Toujours dans le dosage. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Ouais, la frappe. Putain, dommage. Wesh, comment elle a tourné? Wesh! Allez, faut centrer vite. Attends, vous avez vu ce qu'il a fait là? Trop stylé, wesh. Je savais pas qu'on pouvait faire ça dans FIFA. Il a jonglé et il a fait une passe de la poitrine. Regardez. Contrôle. Contrôle. Ta! Incroyable. Grave stylé. Oh, bien coupé là par le défenseur. Très mal donné hein, ce ballon. Attention, ça peut être dangereux. Ouf! Oh, le goal, il aura souffert avec moi. Que je le fais plonger, je le fais travailler de ouf là. Il a dit là jusqu'à 2h du matin, s'il te plaît. En vrai, ça aurait grave fait possible, mais je vais trop en perdre là. Déjà, ils vont pas suivre. Déjà, vous avez cours demain, tout ça. Moi, je live par rapport à vous, Gennaro. Les autres jeux, je live à n'importe quelle heure, mais ça, c'est par rapport à vous, ça. J'ai envie que tout le monde suive. Sinon, je m'en foutrais, je liverais à 10h du matin. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Mais je peux pas, les gens, ils ont cours. Il a dit c'est rien, c'est le Brésil. Ouais, c'est le Brésil, frère. Le Brésil dans la peau. Quel match, en tout cas. Que des matchs historiques, là, que je fais depuis que je suis là. Des matchs d'anthologie. La fin du match aller, et on peut dire que l'équipe a certainement fait le plus dur sur sa pelouse. Ce sera un avantage pas évident à conserver. Il faudra faire avec une série. Cours ou pas, je reste. Oh là là, les guerriers. J'ai pas cours. J'ai une semaine de vacances. Est-ce que tu live vendredi? Demain, ouais. Attends, demain, on est quoi? Vendredi ou jeudi? Moi, je live, hein, c'est bon, j'ai arrêté le foot en plus. Je live à 20h.
Par contre, le classement, il me plaît pas beaucoup. Hein. Je peux vous le cacher là. Le classement, il est un peu bizarre. Sixième au classement, les gars, on doit arracher la quatrième place pour être en LDC l'année prochaine. Parce que là, le titre, c'est mort. Hein. À moins que je fais la remontada du siècle. Je suis à 4 matchs, 7 buts. Est-ce que je peux aider City à chercher l'impossible? Telle est la question. On peut se poser la question. T'arrêtes quand? Je vais devoir arrêter de te suivre. Minuit 30, encore 2 matchs. Là, on fait 2 matchs, on fait test de footix et après on va dormir. C'est carré ou pas? Enfin, vous allez dormir. Moi, je vais peut-être aller sur Twitch. Ou TikTok, je sais pas. Et ouais, faut me suivre dans les deux. Je vais mettre une petite feinte. Moi, j'ai pas sommeil. Je suis décalé en ce moment. Et c'est bien sûr moi, Hervé Matou, qui vais vous faire suivre cette rencontre. En essayant d'être le plus précis possible dans mes commentaires. Ça va dépendre aussi de la manière dont vous jouez. Allez, les gars, déplacement Gineiro à Watford. C'est parti. Les gars, comme on connaît les commentaires de français là. Est-ce que on s'en bat les couilles et on met des commentaires anglais ou pas? Histoire d'être à fond dans le RP. Même si on comprend pas ce qu'ils disent. Caissier. Ils vont dire what's goal. Je sais pas comment on fait par contre les commentaires. C'est là, non? Audio. Oh, j'ai oublié les gants, les gars, désolé. Ah, je crois que c'est dans... C'est dans les paramètres... genre hors truc. C'est pas ici. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Rappelez-moi à la fin du match, s'il vous plaît. Chaque fois, j'oublie. À la fin du match, 85e minute, vous me dites... Vous me dites gants et vous me dites commentaire. Je vais comprendre. Après 5 petites minutes de jeu. Merci et merci beaucoup pour ces informations. Un peu de soutien. Attends, mais c'est vraiment stylé. Hein. Attends, je crois que c'est le vrai. C'est en Angleterre, les gars, c'est les vrais stades, les 20 équipes. Attendez, je regarde les détails vite fait. Parce que là, les spectateurs là. Ils sont sur le terrain, hein. Comment vrai? Regardez là-bas avec les gourdes et tout. Il n'y a pas de barrière, genre. Grave stylé. Je crois que c'est que des vrais stades ici, en Angleterre. Oh! Ah bon? Foyden! Putain. Il a géchant le gosse de... Le gauche de Manchester. Provoque un coup franc. Tu sais que c'est ce que j'essaie de faire. Des fois je tire. Des fois je tire pour qu'il y ait des mains, tout ça. Bon allez, on se concentre. Le balanceur, ça va être une touche. Il a dit incroyable, de ouf. Ils sont à la récupération. Il semblerait que le score ait évolué à l'Emirates Stadium. On y va tout de suite. Oui, il s'agit du premier but. On a vu, je suis un crevard. J'ai vu, il y avait des gens dans l'axe là. Et que sa mère, moi je tire. Oh! Une frappe tendue. Ah, il est bien tiré le corner là. Allez, je te laisse, je vais dormir. Vas-y, mon gars. Hein. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouf, l'arrêt. La tête, mais pas de soucis. Dans les buts, ça manquait de conviction.
Voilà. Foden qui prend la vitesse. Christopher Nkunku. Ouf, Nkunku, il est là en plus. Non, franchement, on a une bonne équipe. Oh, mais il a une frappe de ouf! Mais wesh! Oh les gars, il a une frappe de baiser! C'est un gaucher ou un droitier lui, wesh! Po. Oh la pilule! Je vais me coucher, vas-y les gars, vas-y, force, force les gens qui vont dormir pour les cours demain. Merci à tous d'être passés sur ce live. Les derniers restants, on va faire un test de footix là. Ouais, bien tiré ce corner. I, attention. Ouf, on est chaud. Deux fois de suite, de ouf. Ah, il est gaucher, ok. Autant pour moi. Je pensais que c'était un droitier lui. Allez, c'est parti. Corner qui ne donnera rien. Allez, Gennaro. Gennaro. Allez. On calme le jeu. Rodri. Mario Hermoso. Il faut d'aide. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Il répond à Phil Foden. Eh oui, monsieur. Gennaro, la spéciale Ginette. La spéciale binette. Ça joue bien, hein. Comme au PSG, j'ai l'impression. Magnifique. 3-0, toujours pas de réaction en face. Oh, c'est l'interception. Dommage. Il est pas cheaté comme ça. Ouais, mais après, il a 92 là maintenant, c'est fini. Hein. C'est plus le petit Foden que tu connais là. On cherche une solution. Christopher Nkunku. Tiens. Magnifique l'intervention du gardien. Grande frappe. Qui nous sort ce ballon. Oh, le goal, il va souffrir. Hein. T'es mort. Bah pouf. Je crois qu'il est rentré en pleine Lulu. Je suis pas sûr. Ah, il est bien parti ce corner. Putain, je deviens un entraîneur avec Gennaro. Non, même pas. En fait, dès que Gennaro sera fini, je pense que ce sera fini en décembre. Dès que Gennaro sera fini, les gars, retraite. Après, c'est bon, c'est fini, hein. On parlera plus de lui. Malheureusement, voilà, il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer dans ce live. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah merde, j'ai voulu faire un exploit là, personnel. Je pars ici. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Nkunku. Pas d'intensité dans le jeu de cette équipe et forcément ça va donner des idées à l'adversaire. Christopher Nkunku. Oh là là, excellent ça, Gennaro. Ouais, il peut centrer. Putain, dommage. Il était temps. Franchement, tranquille là, avec City. Hein. J'ai pris le bon club, les gars. Rodri. C'est trop facile. C'est trop facile, ça joue bien. Oh là 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 là, magnifique. Magnifico. Pourquoi pleurer? C'est vrai qu'on a eu la chance de le voir à l'œuvre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
Je sais pas ce qu'ils sont en train de chanter les supporters là. Voilà. Mario Hermoso. Le centre qui est contré. Il protège bien sa balle. Et c'est terminé. Ah non, c'est la mi-temps, merde. 4-0 à la mi-temps. On va montrer un autre visage après la mi-temps. Voilà l'arbitre. Mi-temps, les gars. Je reste jusqu'à la fin du live. T'inquiète, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. C'était un bon live. Merci à tous en tout cas. Le bon ballon donné par-dessus. Attendez deux secondes. Je crois qu'il y a du nouveau du côté du Tottenham Hotspur Stadium. Putain, ce qu'il a mangé lui. Un but, apparemment. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Manchester United. Un but dont l'auteur est Dani Olmo, consécutif à une erreur défensive. Un but à zéro donc. Alors que 47 minutes se sont écoulées depuis le coup d'envoi. Parfait, merci pour ce point rapide. Là, je vous laisse découvrir le match très intéressant programmé tout à l'heure. Je pense que vous serez avec nous également. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Rodri. Bonne séquence de possession là. Putain, merde. J'ai loupé ce que je voulais faire. Bon, là, j'ai pas eu de faute, là. J'ai pas eu de coup franc, là, depuis que je suis là, là. J'ai le seum. Il y a eu zéro coup franc. Enfin, j'en ai fait un, mais voilà, quoi. J'en veux un plein axe. Pas de coup franc, pas de péno. Waouh, comme par hasard. Quand je dis ça, c'est coup franc pour eux. Premier triplé de Gennaro à City. Ah, peut-être là, hein. Ça va peut-être être aujourd'hui, là. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Allez. Tu l'arrêtes. Merci. Le duel remporté par le gardien sur ce penalty. Il n'y a plus le duo Gennaro Mbappé, maintenant c'est Gennaro Foden. Exactement. Doublé de Foden, doublé de Gennaro. Incroyable. Après, c'est plus duo avec Fati en vrai. Fati, on était ensemble au Bayern, mais il était remplaçant au Bayern. Après, il est parti à City pour plus de temps de jeu. Et là, j'arrive à City, je vois, il est capitaine. C'est incroyable. Est-ce qu'il va centrer? Non, sans problème pour le gardien. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Un joueur qui va rentrer. Il cherche le point de pénalty. Premier sur ce corner. Allez, 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 on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On sort, voilà. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Il prend de la vitesse. Non ! Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Après, je suis mauvais en passe, moi, c'est pour ça. Ce qui nous attend tout à l'heure, ça fait envie. Ce sera encore un match d'exception que vous pourrez suivre en notre compagnie. Ça n'étonnera personne de constater que l'équipe visiteuse monopolise le ballon. Par hasard, hein, si l'équipe mène au score. Dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse. Pff, et les gars, Foden est trop fort. Attendez. Foden, les gars, trop fort. Hein. Est-ce que tu vas jouer entraîneur quand tu vas prendre ta retraite? Non, pas du tout. On va refaire un devient pro. Dans les 20 dernières minutes de cette partie. Oh, il y a des solutions, il y a danger.
Yılmaz. Attention, il peut centrer là. Et l'arrêt, merci. Gants, c'est bon, je me rappelle pour les gants et les commentaires là. De toute façon, je pense que ça va être le dernier match en vrai. Je pense qu'on va arrêter là, les gars. Je pense qu'on va arrêter là. Si on avance trop vite, on va en perdre certains. Comme ça, demain, je prépare mon RP. Ça va très bien se passer. Ça concerne le match de Wolverhampton. Oui, 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 il s'agit du premier but. Il y aura des bons mails demain. Ça fait donc un but partout après 79 minutes de jeu. Oh, le ballon qui passe juste au-dessus. Prochaine carrière devient pro, Gennaro JR. Non, même pas, c'est fini Gennaro après. Il a dit, Mélina, regarde tes matchs en scred, ça se trouve, hein. De base, c'est une fan de ma manière de marquer, elle a dit, ouais. Est-ce que tu peux me donner des conseils, tout ça? On perd ce ballon. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ouais, putain. J'aurais pas dû faire ça. Corner. Ah, il est bien parti ce corner. Ouais, cette tête qui ne va rien donner. Ah, c'est bien défendu, hein, surtout. Est-ce que vous êtes prêts pour le test de Footix, les gars? En plus là on a beaucoup avancé en championnat. Il semblerait que le score ait évolué à l'Emirates Stadium. On y va tout de suite. Oui, deuxième but à l'instant en faveur d'Aston Villa. On en est donc à 2-1 alors que le match a débuté. Quoi les commentaires, t'inquiète, c'est bon. T'inquiète, je vais le faire ça. Ouais. Ah dommage. Touche. Oh, regardez les supporters, comment ils se sont barrés là. 5-0, wesh. 5-0, tout le monde se barre. La passe est interceptée. Vous avez vu les tribunes, comment elles sont vides? On va jouer 3 minutes de plus. Je crois qu'il y a eu des mises à jour avant, c'était pas comme ça hein, qu'on a commencé là. Va-t-il parvenir à centrer? Ah, dommage. Intercepté, hein, mais la défense est quand même sous pression. Et c'est terminé. C'est terminé. Tu penses que je vais gagner la première ligue? Je ne pense pas. Après, en vrai, si je fais gagner mon club comme ça à chaque match, on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. T'habites où, Junior? J'habite en France. J'habite en France. Le mec, il veut rien divulguer, tu sais. J'habite en Europe. Mange longue, t'inquiète, là, j'y vais. Préparez-vous à réviser un peu pour le test de Footix, les gars. Ça va jouer en... C'est quoi les 120 premiers amis à voter, on valide. C'est bon ou pas? Donc là, on va sauvegarder. Non, des gants. C'est quoi? On va d'abord mettre les gants, tout ça. 5 matchs, 9 buts, ça va hein, pour un bon petit début. Alors. Bleu ciel, c'était ça, mais bon, c'est trop moche. Gant noir. Manche longue. Ah non, on voit pas à cause de ma tête. Ouais, comme ça. Hein. Là, c'est stylé, là. Eh hey, mais c'est pas les mêmes crampons que dans Club Pro. Ici, normalement, en bas, là, il y a des crampons blancs, là. Des crampons Adidas blanches. Ils sont où? Non, c'est pas celle-ci. Putain, bizarre, hein. Dans Club Pro, je vous jure, c'est pas... Il y a plus de crampons. On est d'accord ou pas? Ou c'est moi qui suis fou, là? Oh, celles-là, elles sont stylées. Bon.
Attends, ils m'ont remis AT là. Il y a encore un bug. Et un petit bug. Bougez pas, c'est bon. Hop. On sauvegarde. Regardez, je vais vous montrer vite fait les crampons là dont je vous parle. Oh là 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 là. Catastrophique. Bon, vas-y les gars. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Passez tous une. Je vais pas dire passer une bonne soirée parce que là, vous allez tous dormir. Et voilà. Bonne nuit les refs. Je vous kiffe. C'était un bon live, on est Ballon d'Or.